publier cette charte de coopération pour permettre à des acteurs de l'économie sociale dans le domaine de l'enseignement de pouvoir intervenir au niveau de nos établissements vis-à-vis de nos personnels dans les domaines importants que sont la protection sociale, la banque et l'assurance. La charte de coopération, c'est une signature avec tous les présidents des universités. Donc ça nous permet d'être reconnus comme étant un des membres de l'ESFER. C'est un moment important parce qu'après avoir travaillé avec le ministre de l'Éducation nationale, on prolonge le travail sur l'enseignement supérieur. C'est une très grande satisfaction pour nos trois organisations, donc la CASDEN, la MGN et la MAIF, de signer aujourd'hui cette charte de coopération avec la conférence des présidents d'université. C'était une volonté aussi du président Salzman de nous donner cette possibilité-là, d'apporter une information à nos jeunes collègues qui vont être formés dans les ESPE, et puis dans le cadre de l'université, plus généralement aussi, d'apporter le maximum d'informations. Dans le cadre d'une banque coopérative, c'est important pour nous d'avoir signé cette charte de coopération. J'ai voulu pousser l'entrepreneuriat et la culture de l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le pari de la créativité, ça se joue très tôt. Et ça se joue non seulement pour l'économie traditionnelle, mais ça se joue aussi pour l'économie solidaire. Il est important pour la MAIF, mais aussi pour la CASDEN et la MGEN, de préparer cet avenir, de fertiliser, j'ai envie de dire, le terrain pour qu'on puisse à nouveau, demain, semer des actions qui nous permettront de faire connaître intelligemment nos organisations, des professeurs stagiaires et des futurs professeurs. La bonne nouvelle avec la création des ESPE, des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, c'est de reconnaître enfin à nouveau que enseigner, ça ne s'improvise pas, que c'est un vrai métier. Il n'y a aucune raison que le métier d'enseignant, contrairement à tous les autres métiers, ne s'apprenne pas. On ne l'invente pas, pour le coup c'est sans doute le métier le plus précieux de nos sociétés. C'est celui qui va former les jeunes générations, qui va donc conditionner la façon dont ces jeunes générations vont ou pas voir le monde, le changer ou pas. C'est une élève très sage. Faudrait demander ça à mes profs, mais ça dépendait des années. J'ai eu des bons profs. J'étais plutôt un élève sage jusqu'à 15-16 ans. Après, ça s'est gâté un petit peu, mais bon, je suis retombé sur mes pieds. J'étais ce qu'on peut appeler les pires élèves, c'est-à-dire avec plutôt de très bons résultats et extrêmement dissipés, n'aimant pas du tout ni les règles ni la discipline.